Arc-en-ciel qui décide. Vous êtes tous les deux très forts, très adroits, très courageux et très prétentieux. Mais tu veux rire? Ce n'est pas à moi de vous départager. Vous devriez plutôt demander à Rock Tranquille. Oh. La soupe de châtaigne, c'est un peu lourd. Moi, je préfère les galettes au miel. Tu as toujours aimé ça. Déjà, quand tu étais un papouze, tu te faisais piquer par les abeilles pour leur voler leur miel. Oui. Dis, Rock Tranquille, on voudrait te demander lequel de nous deux est le plus... Le plus brave, le plus courageux. Enfin, tu vois ce qu'on veut dire, quoi. Je vois. Eh bien, les papouses, voici ce que vous allez faire. Chacun d'entre vous devra me rapporter un cristal de roche, une plume de faisan et une écaille de serpent. Une écaille de serpent? Oui, vous la trouverez sur une mue, la peau morte que le serpent abandonne quand il fait peau neuve. Pour trouver tout cela, vous partirez demain à l'aube et devrez être de retour avant la fin de la nuit. Alors, je vous dirai lequel est le plus brave des braves. Oui, le plus brave des braves. Graines de bison d'or encore. On va prendre de l'avance. Oreille tombante, tu vas réveiller tout le monde. Où vas-tu, Yakari? Je peux venir? Chut. Non. Non, tu restes ici. Tu gardes le campement. Commencer. Le cristal, la plume ou la peau de serpent? Le cristal, c'est dans la montagne. La plume, plutôt du côté du lac. Et la peau de serpent, dans le désert. Je me demande ce qui va être le plus difficile. Qu'est-ce que tu en penses, petit tonnerre? Oh, j'en pense que si tu continues à te poser des questions, Graine de Bison va gagner. Il a l'air tout à fait réveillé, maintenant. Il part vers le lac. Il cherche la plume. En avant! Attends-moi. Pas question. Mais il n'y a qu'un seul canoë. Ben justement. Je ne peux pas y aller à la nage, c'est trop loin. Tu n'avais qu'à te lever plus tôt. Hé. C'est malin, t'as vu ce que tu as
Tu as raison, c'est de ma faute. Excuse-moi. Non, c'est moi, j'ai été bête. Bon, on y va ensemble. Mais une fois sur l'île, c'est chacun pour soi. D'accord. Le faisan ne va pas laisser Graine de Bison lui prendre une plume aussi facilement. Approche, petit. Si je trouve son nid, il y en aura sûrement une à ramasser. Petit, 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 viens, je t'ai apporté à manger. Je ne veux pas te faire de mal. Soit le nid est au milieu des épines, soit il est bien protégé au pied de la falaise. Je le savais. Oh non, il n'a pas perdu une seule plume. Si on peut même pas être tranquille sur une île déserte, je me demande bien où il faut... Salut. Oh non, encore un. C'est une invasion. Je suis Yakari, l'ami des animaux. Je ne voulais pas te déranger, mais j'avais juste besoin d'une plume. Une plume? Une de mes plumes? Et puis quoi encore? Tu ne veux pas un de mes œufs non plus? Merci, Yakari, tu as sauvé mes petits. Bon, je te laisse tranquille, je m'en vais. Attends, tu m'as dit que tu avais besoin d'une plume. Sers-toi, il y en a suffisamment. Nous avons cherché partout. Pas le moindre serpent par ici. Graine de Bison est partie vers la montagne et il a sûrement trouvé le cristal. Hé, hey, regarde là. Une trace de serpent. Qu'est-ce qui peut faire un bruit pareil? Aucune idée, mais je n'ai pas envie de le savoir. Eh bien, que vous arrive-t-il? Ne bouge plus, j'arrive. Ce n'est pas un serpent, c'est juste sa peau. Tu es sûr? Une magnifique mue. On dirait un vrai serpent. Quelle horreur! On devrait l'enterrer! Au contraire! Si ça ne vous fait rien, je la garde! Il ne me reste plus beaucoup de temps. Allons chercher le cristal. Merci, les chèvres! Tu y comprends quelque chose, toi? J'ai le cristal! J'ai la plume! Il ne me reste plus que la mue de serpent! Yakari n'arrivera jamais au sommet de la montagne avant la nuit! Moi, je n'en peux plus. C'est trop difficile. Je ne peux pas t'imposer ça. On abandonne. Tu as déjà la plume et la mue de serpent. Il ne reste plus que le cristal. Graine de Bison aussi doit être épuisée, mais on ne sait pas ce qu'il a trouvé. Non, nous n'avons pas fait tout ça pour rien. Ce serait dommage de renoncer maintenant. Tu as sans doute raison. Continuons. Pas de cristal. La nuit tombe. Cette fois, c'est terminé. Nous n'y arriverons pas. Oh, tu as vu? Non, quoi? Là-haut! Waouh! Il n'y a pas le début de la queue d'une peau de serpent dans ce canyon. Oh. Oh. Je l'ai! Je l'ai! Nous avons gagné!
Qu'est-ce que je fais là? Ah oui! L'écaille! La peau de serpent! Mais qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça, vous? Vous n'auriez pas vu une peau de serpent par hasard? Non, évidemment! Ce serait trop beau si vous saviez parler! Je sens bien que tu es à bout de force, petit tonnerre. Allez, courage! Cristal est brisé. C'est de ma faute, Yakari. Si tu veux, on peut remonter en chercher un autre. Non, il est trop tard. Nous sommes trop fatigués et la route est encore longue pour rentrer au campement. Ne t'en fais pas, ce n'est pas si grave. Si je lui dis pour le cristal, Graine de Bison ne va pas me croire. Je n'ai pas réussi, Rock Tranquille. Voici la plume et l'écaille de serpent. J'ai échoué, oui. C'était trop difficile. Je n'ai rapporté que la plume et le cristal. Et toi, Yakari? Nous avons échoué tous les deux. Il me semble au contraire qu'à vous deux, vous avez réussi à rapporter les trois objets. À vous deux, vous avez accompli un bel exploit. Personne n'a gagné pourtant. Pas si sûr, Graine de Bison. Les trois objets sont bien là. Ils vous rappelleront que c'est en s'unissant qu'on gagne. Pas en luttant l'un contre l'autre. Conservez-les précieusement. Hé, oreille tombante, rends-nous ça. Reviens ici. Attends, Yakari, je vais le rattraper. Je suis le plus rapide. Non, c'est moi.